Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve dans The Last of Us. J'ai complètement oublié. Bref, donc c'est ça. J'allais juste vous dire que j'ai décidé de le jouer, puis je l'ai déjà joué auparavant. Pourquoi? C'est parce que le 2 va sortir bientôt, d'ici avril je pense, 2020. Puis ça me tentait de faire encore ce let's play, je l'ai vraiment apprécié. Mais pas cette fois, dans le mode normal, mais dans le mode difficile. Donc, on va tout de suite commencer. C'est parti. Et n'oubliez pas aussi de mettre un like sur la vidéo, de commenter et de vous abonner pour être toujours au courant de nouvelles vidéos qui sortent. Et n'oubliez pas la clochette parce que sinon, vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Oh, il y a même survivant puis réaliste. On va faire difficile parce que j'ai pas envie d'être trop dans la merde. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pas joué, je connais pas les contrôles. Ah oui, puis comment ça va fonctionner en fait, c'est que j'ai décidé de jouer ce jeu-là seulement le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc il n'y aura pas de vidéo de ce jeu les autres jours de la semaine. Et ce sera toujours lundi, mercredi et vendredi seulement, étant donné que j'ai trop de choses que je fais sur ma chaîne. J'espère que vous allez apprécier le let's play. C'est parti! Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey! Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? C'est vrai ça! C'est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. Ah, il est resté tard jusqu'à... Elle est restée tard juste pour lui donner le cadeau, my god. Arrêtez pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Mais c'est tellement chien quand j'y pense. Je veux pas donner trop de détails parce que j'ai déjà joué au jeu. Mais c'est chien. Bon, c'est quand qu'on va commencer à jouer, nous? Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Je sais qu'il va se passer Allô? Quelque chose de mal. Mais j'ai déjà joué au jeu, là. Je vais vous mentir en faisant semblant... Oh my god, qu'est-ce qui va se passer? Non. Bref, qu'est-ce qui se passe? Tu vas le savoir, ma chère, tu vas le savoir. J'ai oublié de lui donner ça. Ah, s'en fout pour de vrai. Je pense pas que ça va vraiment importer à ce point-là. Mais oui, ça va importer pour lui. Je vais pas le dire pourquoi, mais bon. Ah, ben t'aurais pu le donner. T'aurais pu prendre quelque chose, en tout cas, c'est pas grave. Bref, allons voir son père. On sait très bien qu'est-ce qui va se passer, nous, hein? Papa? Papa? Ok, j'arrête de niaiser, là, et soyons sérieux. Oh, c'est quoi ça? Le journal. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Admittance Spike at Area Hospitals.
Même si c'est pas comme ça qu'on le lit, là, je sais. Enfin bref. Oh, on va aller prendre une douche. Non, on peut pas. Papa! Je sens que quelque chose va se passer. J'ai pas très hâte. Oh my god! Tu es là? Pas du Qu'est-ce qui tout! t'est passé? Je me demande où il est parti pour de vrai. J'ai vraiment oublié. C'est près d'ici. Mon œil a une fuite de gaz. Oh my god! C'était quoi? Puis c'est dans notre. C'est où on vit, bref. Papa? Oh, commence pas à crier, s'il vous plaît, là. On le connaît déjà, la chanson. Allez, commence à courir. Tu pourrais pas courir? Papa? Plus vite! Oh, ça, je comprends pas pourquoi, quand on commence un jeu, on peut jamais courir au début. C'est toujours comme ça, la majorité du temps. Je sens qu'il va y avoir un criminel ou un tueur. Où ça? Ah, merci. Il t'appelle en absence. Mais où est-ce que t'es? C'est vrai, tu es où, papa? J'arrive bientôt. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? I'm going to be home late now, late night. Go ahead and order food. See you in the morning, Dad. Ouh, je pense pas qu'on aura le temps d'être le matin pour ça. Mais c'est vrai, il est parti où pour de vrai? Je me rappelle. C'est quoi encore? Je pense qu'il va se passer quelque chose ici si je me trompe pas. J'ai pas très hâte. Pourtant, j'ai déjà. Oh! Non, j'ai rien dit. Son père est là. Te voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Oh my god! Tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Ah mon dieu! Jimmy! Papa? Chérie, viens. Je vous jure, j'ai eu la peur de ma vie et pourtant j'ai déjà joué au jeu. Oh my god, c'est n'importe quoi. Waouh. Jimmy, je te préviens. Allez, allez. Waouh. Je vous dis, j'ai déjà joué au jeu en plus, hein. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi, la situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Oui. Tommy, allez. Allez. Un deuxième Resident Evil. Vous me faites passer. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? Bah, c'est pas exactement comme Resident Evil, mais bon. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien, tirons-nous d'ici. Il paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît? Ok, donc pour l'instant, on joue l'enfant, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais que ça va pas durer longtemps. Ça va. Comment ça va, chérie? Tu demandes ça à elle? Elle vient de voir une personne se faire tuer. Ouais, bien sûr. Merci. Portable. Radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller? Il disait. L'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. Prends la 60-61, c'est fini. Oh! Non, sérieusement, c'est sérieux. Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée Tommy. Dans sa maison. Tu sais ça, il faut pas dire ça à un enfant! Oh my god, lui là! J'ai même pas de commentaire à dire sur ce gars là. Ça se voit qu'il a pas d'enfant. Oh mon dieu, comment c'est arrivé? Personne ne sait. Waouh! Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Oh merde. Eh ouais! C'est la ferme de Louis. Les gens sont en train de devenir fous. Je m'en fais pas pour lui. Il est malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça.
Ok. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Ah, oh, c'est chiant. Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passera. Non, ça, c'était vraiment chiant pour de vrai. Quand je repense à tout ça. C'était faire preuve d'égoïsme. D'aller par là, ils auraient dû aller dans un trou perdu. Oh mon dieu! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je vous jure, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et pourtant, j'ai déjà joué. Et il y a des choses que j'ai oubliées. Puis, c'est comme si je jouais pour la première fois. Waouh! Waouh! Recule, ma puce. Recule. Allez, on grouille, pas le temps de rester ici. Sauf qu'il peut, ouais, il faut courir pour de vrai. Allez, prends ta gosse, puis on dégage d'ici. Oh my god. Pas la gueule. Papa. Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la jambe. D'accord. Oh non! On va devoir courir. Merde. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. Non, mais dégagez, bande de zombies pourris! Garde les yeux fermés, ma puce! Wow. Ne regarde pas ça. Regarde. Ah, c'est chiant. Je ris comme ça, c'est chiant, mais bon. On va s'en sortir, c'est promis. Ouais, c'est ça, on va s'en sortir. Non mais qu'est-ce qu'ils ont tous me tuer? Ils sont trop nombreux. Allez, je t'attends. Merci. Espérons qu'il n'y a pas de zombies par là. Ah mon dieu. Dans la tête. Allez, vas-y. On y est presque. On y est presque, mon cœur. Passe la barrière. Avance! Il trouve une issue! Mais facile à dire, hein? Allez! Joël! Yo! Mais je fais ce que je peux! Prends la nationale! Vas-y, t'as ça! Moi, je peux l'espérer! Oncle Tommy! On se retrouve là-bas! Dépêche! Espérons que rien va nous arriver, sérieusement. On y est presque. Ben, je vais dire en chemin parce que je sais qu'est-ce qui va se passer après. Papa! Je sais, t'as pas besoin de le dire. Cours! Je cours, Joël, cours! Mon dieu, le sang est vraiment fort, j'ai l'impression d'avoir même pas fait quoi que ce soit. On va reprendre évidemment, j'ai pas le choix. Ça va chérie, c'est fini. C'est fort! Hey,
On a besoin d'aide. Stop! S'il vous plaît! C'est ma fille. Sa jambe est cassée. N'avancez pas! Ok. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Ils ont pas honte de faire ça! Ben je m'en doutais qu'ils allaient faire ça, mais... Chaque fois que je revois ça, c'est comme... Oh non... Sarah! Ouais... Elle est morte. Ok. Ou plutôt, elle va mourir. Ma chérie. Je sais, chérie, je sais. Non... Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ouais, elle est morte. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Ça à cause de ces salauds. Non. 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 Pitié. Oh, Dieu. Pitié. Et voilà le début de Last of Us. Ça, c'était juste un préquel, si on veut. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Nous sommes gelés, désormais la dernière... On va passer parce que je sais pas c'est quoi cette affaire là. On a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. Je pense qu'on est dans le futur, j'imagine. Ouais. Puis il a pris de l'âge. Je sais pas si j'ai trop avancé à cause que j'ai coupé, mais bon. J'avais pas le choix s'il montrait des trucs pas intéressants. J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. Ben, félicitations. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Regarde ça. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provisions. Eh ben, quand je revois tout ça, je vois qu'on est vraiment dans la merde. La famine absolue. Waouh, c'est chiant. Quand on revoit tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? On va juste voir ça, juste pour voir. Not clean. On a une pile. Non! Je suis pas infecté! Il se trompe! Allez. Le scanner se trompe, pitié! Y'a rien à voir, c'est ça, hein? Oh my god! Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Ouais, y'a encore des gens qui décident de s'aventurer, puis de se faire bouffer, je veux dire, par des zombies, pardon. Ils les ont lâchés. J'ai eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. On m'a dit qu'ils les avaient. Surtout, restez cool. Eh ben, pour toi, rester cool, ça veut dire quoi? C'est bon. Circulez!
Qu'est-ce que tu fais? J'attends, ma chère. Ou à moins qu'il faut avancer tout droit, je sais pas. Ok, on va avancer normalement. Je pense que c'est par là. Bon, en fait, je sais pas, c'est par où tu pourrais aller. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. Ah, mon dieu! Wow! Exprès ou quoi? Ok. Ah, ok. Bon. Attendez. Parfait. Mon dieu, ce jeu-là, à chaque fois, il arrive à me surprendre. On y va. Le pire, c'est que j'ai déjà joué à ce jeu. Techniquement, je devrais connaître par cœur. Rafistole-toi, ok? Bon, kit médical. Soignez vos blessures avec un kit médical. L'utilisation d'un kit médical prend du temps. Assurez-vous d'être en lieu sûr. Équipez-vous du kit médical avec vers le haut et maintenez R2 pour l'utiliser. Et voilà! Good job! Fermez tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer? C'est ça. Et Tess, t'as vu ce bordel? Eh ouais! Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Bon, c'est quoi encore déjà les Lucioles? Je vais être franc avec vous, je sais même pas. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, puis y a plein de trucs qui parlent que j'ai complètement oublié. J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Bref, de savoir autant ces lieux, hein. C'est nous. Salut les gars, comment ça va? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Ah, ben bref, il faut aider à... Tu peux m'aider à pousser ça? Faut aider à l'autre femme à pousser le truc. Faites attention à vous là-bas. Ah, ça empeste. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Pensez que quoi? Que ça allait sentir le feu breeze? Oh my god. Que la lumière soit. Allons-y. Et la lumière. Bon, allez, couille-toi, là! Ah, c'est vrai! Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas d'armes ou quoi que ce soit, donc ça sert à rien d'essayer de fuir. La dernière fois. Ah! Ça doit être un petit pistolet de merde, je suis prêt à parler. Pas beaucoup de munitions. Ouais. Les gaspille pas, alors. R2 sans viser pour recharger. Ok, le Texan. Fais-moi grimper. Y'a rien d'autre ici. Parfait, on va y aller. Par là, j'imagine. Ouais. Allez, grouille tes fesses pour qu'on puisse avancer dans le jeu. Bien, madame. Allez. Eh bien, pour une femme, on peut dire qu'elle est forte, hein? Être capable de soulever un homme? Allez,
Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est une question piège. Bon, 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 est-ce qu'il y a des trucs ici? Absolument pas. Bref, voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je vous le dis, ça fait trop longtemps. Oh, waouh. Il y a que dalle, ok. On va juste la suivre pour l'instant, là. Le temps que je m'habitue. J'étais pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben je suis du genre romantique. T'as d'autres atouts. Elle est où, l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Ok! Première mission, trouver une échelle. Quelle mission périlleuse. Ok, ce n'est pas là. Mais elle est où, l'échelle, pour de vrai? Hé, hey, va regarder par là. Ah, elle est là-bas! Bingo. Je l'ai. Super, apporte-la ici. Aime ça me donner des ordres, hein, madame? Ok. Ouais, ça, je m'en rappelle un peu, là. Mais merci de me l'avoir dit. Job! Honneur aux dames. Dame? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. C'est vrai que tu ressembles un peu à un homme. Bon. Ok, y a rien d'autre là. Bref, je pense qu'on peut avancer. Que dalle. Waouh. Oh, peut-être ici. Ouh. Mais c'est super. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me servir, mais c'est super, on a ramassé des trucs. Voyons voir s'il y a des trucs ici. Pour apprendre à... Oh. Nice. Pendentif des lucioles. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre ici. On peut avancer. On va descendre par là. Ben, je pense que j'ai pas le choix, hein. À moins que tu veux escalader. Je crois que Robert a toujours nos armes. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. Je vais te frapper avec vous. Parlons de marchandise. Quand est la prochaine livraison? Ben, on voit bien le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Ouais, il rapporte toujours quelque chose. Je suis prêt à réparer n'importe quoi que Robert a pas nos équipements. Attends, des sports. Et je dis ça parce que je me rappelle. Des sports, en gros c'est des espèces de champignons. C'est quoi déjà qu'il fallait faire attention avec les sports Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Ok, absolument rien. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Oh, waouh. C'est pas très joli. Bref. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde! Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Par ici. Mais je pense qu'il n'y a rien d'étonnant quand on voit que quelque chose est en ruine. Hein. Doucement. Putain! Attention, attention! Aidez-moi. C'est chiant! Ne me laissez pas muter. Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, oh, fuck you. Ah, mais j'ai des balles. En route. Ok, mais... Oh, j'ai envie de laisser crever. C'est parce que je pensais qu'on était obligé de le faire. Attendez. Pourquoi je devrais gaspiller mes balles pour lui? Ok, y'a absolument rien ici. Oh, j'aurais pu peut-être le frapper. Bref, tant pis, c'est pas grave.
Ok. Ok, absolument rien là. Oh, ok. Ici, y a rien. Pourquoi c'est moi qui dois avancer en premier? En plus, j'ai complètement oublié les boutons. Ok, ça c'est une plante que je peux pas utiliser comme dans Resident Evil. Y'a absolument rien. Wow. Ok. Bon. Oh my god. Ouh, maintenez R1 pour concentrer Louis de Joël. Oh. Eh ben. Dégage. Allez. Ok. C'est pas vrai. Comment on va faire pour se débarrasser d'eux? Bon, je tirerai parce qu'honnêtement, je pense pas que c'est une bonne idée de m'approcher d'eux discrètement. Ils sont deux en plus. Ou peut-être pas, je vais attendre. On va attendre qu'ils soient tués. Ok, il était bon maintenant. Est-ce que vous pourrez arrêter de le manger puis vous disperser? D'ailleurs, comment on fait pour se rapprocher du mur? Y'a pas moyen? Oh shit. Oh my god! Allez, tue-le! Dégage! Bon, on les a tous eus. J'espère bien. Moi aussi, j'ai pas envie d'être surpris. Allez, on retourne en ville. Ok, c'est R2. Oh non, j'ai plus d'autres balles, c'est pour ça que je peux pas charger. Bon, tant pis. Ok, voyons voir, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'ils vont nous donner? Je sais pas, moi, plus de balles? Vraiment non, on dirait. Non. Oh, je suis plein! Fudge. Oh, il y avait des briques qu'on pouvait prendre, c'est vrai, j'ai complètement oublié ça. Je trouve ça dommage que je peux pas utiliser ça pour me guérir. Tant pis. Ok. Première vue, il n'y a rien du tout ici. Peut-être qu'il y a des choses là-bas. Avant ça, je vais aller ouvrir la porte là-bas. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose? Que dalle. On est venu faire quoi ici? Y'a rien. Oh, attendez, c'est quoi?
Mais là, je peux même pas utiliser ça pour me guérir. C'est quoi cette joke? Je peux même pas le prendre, c'est ça en plus qui est plus nul. Bah, tant pis, on s'en va. Allez, y'a pas un autre moyen de partir d'ici? Ah, ok, par là. Excuse-moi là, mais je trouve pas qu'ici l'air frais il y en a. C'est la chose que j'aime ici, c'est ça. J'ai horreur de l'odeur qui est en ville. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Eh, hey, ce serait une bonne idée s'ils étaient pas tous périmés. Ok, est-ce qu'il y a des trucs ici? Non. Ok, absolument rien là, donc on peut partir de là. Ok. Non. Ok. Bon, ben on va continuer, hein. Par ici. Couvre l'entrée. C'est bon. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a ici. Non, absolument rien. Attends, j'ai même pas essayé de regarder vraiment. Mince, la planche est tombée. Quelle planche? Tu peux y aller? Ouais, j'y vais. Ok, avant que je m'en vais quelque... où que ce soit, là, je veux voir ces deux trucs. Ok. Non, absolument rien. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut passer par ici? Je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que je vais descendre normalement parce que je pense que je vais me péter la gueule si je passe par là-bas. Ou attends. Non, j'ai pas le choix. Ok, j'ai rien dit. Faudra vraiment que je descende par là. Bon. Vas-y, passe-la moi. Bon, est-ce qu'il y a des objets? Je devrais pouvoir m'en sortir. Tu me niaises, elle vient de te lever il y a même pas quelques minutes auparavant et tu vas me faire croire qu'une planche de bois elle est même pas capable? C'est quoi ça? Ok, que rien du tout. Bon, y'a vraiment rien là. Bon, maintenant viens me chercher. Et voilà. Ramène tes fesses, on y va. Hein? Quelle autorité? Avec que je passe comment? Ah, ok, j'ai une idée, je sais. Presque arrivé. Ok, ça doit sûrement être par là que je dois passer, ouais. Imaginez-vous si la planche se casse. Bon. Rien du tout, ok. Oh, encore des Kit Kat! Que malheureusement, je peux pas en prendre. C'est quoi cette joke? À ce point-là, j'ai vraiment pas de place? C'est quoi cette joke? Je peux même pas prendre de Kit Kat! Allez, saute! Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Ok, bon. Allez, saute. Good job. Quand j'y pense, le graphique pour le moment où ça a été fait, le jeu, je trouve qu'il est vraiment beau.
C'est sûr que ça a été remasterisé, mais c'est pas mal. Je veux dire, il y a des jeux qui c'est vraiment. Le graphique est vraiment de la merde. Je sens que le graphique va être encore plus beau quand le 2 va sortir. C'est quoi ça? Oh! Ok, on peut rien faire, donc on va aller la suivre, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ferme-la. Encore, il risque d'avoir des monstres ou ce genre de truc. Bon, il y a du détergent, du café. Rien qui nous intéresse. Je sais pas, mais il y aurait pas moyen de prendre plus de trucs. Ça serait cool. Ok, absolument rien. Non, il y a rien. Hé, hey, petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok? Tu triches pas! Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. Ça, tu l'as dit, on va se battre. J'ai hâte d'avoir un peu d'action. C'est bon. Allez. J'espère qu'il nous a pas crossé, le petit. On va le payer cher. Hey, ma belle, comment ça va aujourd'hui? Pas maintenant, Terrence. Non, c'est bon, j'ai une carte. Maintenant, t'as compris? Attendez, je veux juste voir s'il y avait deux trucs ici. Non, que dalle. Bon, on va aller la suivre avant qu'elle commence à crier pour dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Bon. Maniez-vous, on crève de faim. On se calme un peu. La prochaine tournée arrive toute. Pas de carte de rationnement. Pas la peine de me faire perdre mon temps. Je suis pas là pour faire du troc avec des balles. Yuck! C'est parce que j'ai envie de faire du troc avec tes trucs pourris, usés, que t'as ramassé, dans les détritus. Oh! Elle est folle, elle. Désolé, mais tous les chiens sont déjà réservés. Je les ai vendus en moins d'une heure. On revient dans une semaine. Il est malade, il pense vraiment que je m'intéresse à un chien. Si tu touches, tu payes. Tess, ça faisait un bail. Tu nous t'as perdu la tête ou quoi, mon ami? Penses-tu vraiment que je paye juste parce que j'ai touché? Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god, ils sont en train d'avoir une fight. Ah, ta gueule, je vais défoncer ta grosse bouche si tu continues à me faire chier. Mets-toi de ce qui te regarde d'ailleurs. C'est qui? Une vieille prise de tête, cherche pas. Il se faut aussi des cartes de rationnement pour ton affaire ou pas? Bon, peu importe. On va aller! Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Bon, ben je t'attends, ma chère. On avance, on commence l'aventure. Pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Oh. J'ai même pas envie de dormir ici, moi. J'imagine que les gens qui vivent ici, ils ont pas le choix. Bon. Oh, je sens qu'il va se passer un truc. C'est pas pour rien qu'on nous montre nos armes. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Hein? Hors de question que je parte sans Robert. Y a un espèce de bug ou quoi? C'est tellement nul. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez d'ici immédiatement.
C'est mal fait, mais en tout cas, c'est pas grave. T'es prêt? Restez accroupi derrière des objets pour vous protéger des coups de feu. Ouh! Je vais laisser à la job, j'ai pas bloqué mes balles. Yes! Dans la tête. Ok. Wow! Je savais qu'il était encore. Oh merde, j'ai foiré. Dégage! Bien joué, le Texan. Y'a pas de balles! Toi aussi. Que dalle! Oh my god! Comment il a fait pour tous les rameuter? Yes! Robert est doué pour une seule chose: rédiger les chèques en bas. Allons y mettre. Ah, tais-toi là! Laisse-moi un peu de temps pour ramasser au moins mes trucs, hein! Ok, y'a absolument rien. Bref, on va aller te rejoindre, ma chère. Je vais juste vérifier encore. Que dalle. Ouais. Pas de kick-out en vue. Bon, allez! Ah, ok, il faut monter par là. Oh my god. Bon, plus vite! Dépêche-toi! Ah, ok. Bon, dépêche-toi de venir me prendre. Donne-moi ta main. Ok, y'a absolument... Attends, c'est quoi ça? Non. Par ici, Joël. Est-ce qu'on peut prendre des briques maintenant, je pense? Je pense que ouais, normalement. Mais avant ça, je vois s'il y a rien. Ouais, y a rien. Que dalle. Bon, qu'est-ce que tu voulais me montrer, ma chère? Ah, ok, faut juste passer. Je sens qu'il va y avoir des ennemis. Comment tu sais que je les vois? Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Que dalle, ok. Genre on peut m'en prendre à l'autre, mais on risque de me remarquer vu que j'ai pris trop de temps pour réagir. Avance, avance. Oh ouais, je sais. Tu penses que je suis en train de faire quoi? Je suis en train de danser? Ouh. D'ailleurs, comment on me fait pour se mettre contre le mur? Soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menaces. Pourquoi je suis plein? Celui que tu veux, je m'occupe de l'autre. Ouais, ils les ont alignés contre le mur et bam bam bam. Ils les ont tous exécutés. Putain de merde. Ouais, c'est comme ça partout en ligne. Ils leur tombent dessus sans ménagement. Sérieux? Allez! Et
Initialisation débloquée. Appuyez sur chose pour débloquer. Ok. Où ça? Ah, occupe-toi-en, là. Je peux pas faire toute la job pour toi, là, ma chère. Je vais voir si je peux ramasser le Kit Kat. Non, je peux vraiment pas. Ok, laissez faire. Bon, mais il est où, l'autre, que tu me disais? Il doit certainement pas être là. C'est quoi encore déjà pour lui, il m'avait dit? Ok, y'a rien. Ok, c'est bon. Je pense que je peux passer. Mais je comprends pas. Normalement, je pense qu'on pouvait lancer des briques. Dégage. Ouh, c'est quoi ça? Clé de l'entrepôt pour consulter. Ok, mais je m'en vais par où? Ok, c'est pas par là du tout. Non. Ok, mais c'est par où qu'il faut passer? On a passé par là-bas. On a passé par là. Peut-être par ici. On n'a même pas encore passé par là. Oh ouais, ça doit être là. Nice. Lorsqu'il vous reste peu de munitions, envisagez d'autres stratégies pour survivre. Tout est sous clé. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert alors? Il se planque chez qui cette nuit? Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien. On verra avec les autres et on trouvera bien un truc. D'accord. Allez! Hé hey mec, j'ai entendu du bruit! Ouais, j'ai entendu aussi. Oh, tu pouvais pas t'approcher plus? Fudge, j'ai foiré! Ah, il est revenu. Ou pas. Ouh, j'ai failli me faire cut. Attendez. Allez! Okay, il a absolument rien celui-là. Ça, tu l'as dit. Bon. Ouais, y a rien. Donc, je pense qu'on peut avancer, évidemment. On va pas rester là à se cacher et à jouer à cache-cache. Oh, attends. Je pense qu'on peut encore. J'avais vu une bouteille! Attends. Oh, il est revenu! Oh my god! C'est ridicule quand on y pense. Y a pas d'ennemis là-bas. Bon. Ok, ça c'est des chiottes. On va pas rester là-bas. Oh, je pense que j'ai vu un ennemi là-bas, là. Oh non, j'ai rien dit. Oh, mais oui, oui, j'en ai vu un. Mais c'était pas celui que je pensais. Ça, c'est quoi ça? Ah, ok.
J'ai rien dit. Rien d'important, apparemment. On va essayer en haut pour voir qu'est-ce que ça donne. Pas le lancer depuis... Oh. Le jeu est beau là, mais franchement, il y a des améliorations à faire. C'était quoi, putain ? Il y a un bruit. Allez, allez. Dégage. Comment me donne... Il aurait pas pu me donner des balles. Ça fait plusieurs que les ennemis qui m'ont rien donné. Bon. Puis c'est stupide parce que je peux même pas prendre de Kit Kat. Ça m'énerve. Oh, chiche. Fudge! Fudge! Là maintenant quand j'ai besoin de Kit Kat, j'en ai pas. Merde! On peut pas se mettre à couvert? Je sais pas. Dégage! T'es mort en bas! Dégage! Ok, je pense qu'il y a rien d'autre. Oh, des balles! On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Oh, c'est un surin! Il nous aurait ralenti. Ouais, t'as raison. Mais c'est plutôt parce que j'ai fait une erreur. Les quais sont par là. Fudge. Calme-toi, je veux prendre un peu de Kit Kat. Là, j'en ai. On peut pas utiliser? Attendez, c'était quoi encore déjà? Ah, voilà, R2. Il y a absolument rien ici. Oh ben on peut descendre. En toute sécurité, ça je sais pas. Ok, ouais. Bon, apparemment il y a rien d'autre. Ouais. Allons-y, c'est parti. Ah fudge. Ah, ok. Là que je clique deux fois sur triangle. Ouh, là ça niaise pas. Voilà notre âme. Ce sale fils de pute. Hé, ton langage. Bref, par contre, je vais être franc avec vous, ça va être tout pour l'instant. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon, vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Donc, je vous dis au revoir et au prochain épisode.